Donc, Lisa Azuelos, on passe de la peinture au documentaire et maintenant au film, à la réalisatrice. Lisa Azuelos est réalisatrice, elle a fait LOL, Comme tu es belle, et 14 millions de cris, un film sur le mariage forcé. En janvier prochain, un film sur Dalida, une intranquille. Ce matin, on a beaucoup parlé de la violence faite aux femmes avec Rada Hatem, on a parlé de la pudeur. Vous avez lancé un mot et une association aussi qui s'appelle gynophobie, un mot que vous avez trouvé pour désigner toutes les violences faites aux femmes parce qu'elles sont femmes. Et le titre que vous avez choisi, c'est « Laissez-moi danser ». Alors moi, je l'ai ressenti comme un cri de femme qui m'évoque « Laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre ». C'est peut-être pas ça, hein. Et dans vos films, qui sont pourtant étiquetés comédies, je ne les ai jamais trouvés des comédies. J'ai même pleuré à vos films. Et on entend ce cri. On entend ce cri, cette violence insidieuse et quotidienne. Et est-ce que vous avez envie de nous parler de ça et aussi de votre combat pour les femmes ? Absolument. Je crois que je suis là pour ça aussi. Donc... J'aime beaucoup parler de ce thème-là, même si j'espère vraiment que de mon vivant, je n'aurai plus jamais à en parler, parce qu'à la base, c'est ça mon but, c'est assez paradoxal. Je crée ce mot de gynophobie pour le voir s'éteindre, je l'espère, très prochainement. Pourquoi la gynophobie ? Pourquoi j'ai créé ce mot ? En fait, c'était il y a 3 ans, j'ai décidé de... Puisque je sais faire des films et que pour moi, ce n'est pas un problème et que je sais produire un film avec pas beaucoup de moyens, un matin, je me suis réveillée et j'ai dit je ne peux plus être tranquille malgré le fait que ma vie est merveilleuse, malgré le fait que j'accomplis mon rêve puisque je suis cinéaste et que c'était ça mon rêve. Malgré le fait que j'ai des enfants, que je suis heureuse dans ma maternité et que tout va bien, je suis intranquille puisque je sais bien que partout dans le monde, les êtres humains souffrent et si je pose un microscope ou un macro-microscope, je ne sais pas, sur la Terre, je vais me rendre compte que les premières qui souffrent, ce sont vraiment les femmes. Et j'ai donc fait ce court-métrage qui s'appelle 14 millions de cris, puisque chaque année, il y a 14 millions de mariages forcés dans le monde. Et quand on dit ça, en fait, les gens s'en foutent un peu, puisque en France, il n'y a pas de mariage forcé, a priori, même si on a pu constater, en fait, d'après les chiffres, qu'il y en a plus de 80 000 par an. Et en fait, qu'est-ce que c'est un mariage forcé ? C'est on prend une petite fille et on l'oblige à se marier et donc en première étape à coucher avec un homme qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'aime pas, et elle n'est pas une adulte et lui est un adulte en général. Et donc en fait, c'est de la pédophilie légale. Forcément, si on habitait un pays où la pédophilie serait légale, on ne serait pas hyper tranquille en fait. Je pense que ce serait vraiment... une vraie intranquillité pour tous les parents et probablement pour tous les enfants et pour tous les êtres humains. Peut-être pas pour les êtres inhumains, mais enfin pour le reste. Et donc j'ai un matin, mais vraiment ça m'a pris comme ça, je crois que j'étais fin janvier, et je me suis dit, bon, on a le 8 mars qui arrive, le 8 mars c'est la journée des femmes, on en a une par an, il faut quand même en profiter, même si je trouve ça très ridicule, parce que ça en laisse quand même 364 pour faire autre chose, mais bon, ça c'est un autre débat. Je me suis dit, je vais prendre ce petit spot-là qui m'est alloué, puisque donc, ça, je sens que je vais avoir la parole ce jour-là, il serait temps que je la prenne. Je suis donc sortie de ma relative tranquillité pour rentrer dans une intranquillité plus globale. Et donc j'ai fait ce film... où je mets en scène une petite fille de Paris, 6e, 7e arrondissement, qui sort de l'école, et sa mère lui a trouvé une très belle robe blanche, et elle lui dit « Regarde, comme c'est jolie la robe que je t'ai achetée ». Et puis finalement, la petite fille va à la mairie et se retrouve mariée 5 minutes après avec un mec qu'elle ne connaît pas, et le film finit sur un plan du monsieur qui ouvre sa ceinture, sa braguette, et qui se pose sur la petite fille, qui se met à crier, il n'y a pas de son. Et donc, le film se termine par 14 millions de cris,
et personne pour les entendre. Voilà, j'ai fait ça parce que j'en avais marre, en fait, de rien faire par rapport à ça. Et il y a eu presque 1 million de vues sur YouTube en l'espace de 10 jours. Et c'est, bon, j'ai été aidée par le fait qu'il y avait Julie Gayet qui jouait dans le film. Et c'était l'époque où ces histoires présidentielles sortaient au grand jour. Donc c'est vrai qu'elle a, elle a gentiment donné cette soudaine notoriété à cette cause vieille de je ne sais combien de milliers d'années, au moins plus de 5000, je pense. Et tout à coup, je me suis dit, mais c'est incroyable comme l'image peut être forte et comme on peut réellement changer les choses, puisqu'à partir de ce moment-là, il y a au moins 1 million de personnes pour qui le mot mariage forcé ne voulait plus dire la même chose. Ça, tout à coup, ça prenait un sens. On voyait une petite fille à qui on pouvait se référencer, puisque c'était une petite fille de chez nous, et que tout à coup, le mariage forcé, ça devenait vraiment quelque chose de moche. Et à partir de là, j'ai décidé de créer une association pour défendre les femmes, et je me suis retrouvée en me disant, bon, alors c'est quoi le mot qui décrit les violences faites aux femmes? Parce qu'on ne dit pas les violences faites aux juifs, les violences faites aux noirs, les violences faites aux homosexuels. Il y a des mots pour ça, il y a l'homophobie, l'antisémitisme, le racisme. C'est des mots qui existent et qui sont créés justement pour montrer que c'est mal, quoi. Je me suis dit, donc il est où notre mot à nous? Il est où? Et là, je suis restée sans voix, finalement, puisque je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de mots. Alors là, j'ai fait un autre court-métrage qui s'appelle « Pas de mots » et qui raconte le fait qu'il n'y a pas de mots pour décrire ces violences. Et je me suis dit, c'est bizarre, s'il n'y a pas de mots, alors que, par exemple, le mot « zlatané » de Zlatan venait de rentrer dans le dictionnaire... Ça ne peut pas être un hasard, hein. C'est pas possible. 50% de l'humanité souffre et il n'y a pas de mots pour le dire. Et comment on combat un mal qui n'a pas de nom? Je suis restée, pour le coup, bouche bée. C'était assez bizarre à vivre, ce constat-là, qu'il n'y avait pas de mots. Et donc, quand il n'y a pas, moi, je crée. Je suis artiste, c'est ma chance. Donc j'ai créé ce mot de gynophobie. Alors là-dessus, oh là là, on m'a dit, mais nous n'avons pas peur des femmes. Ce n'est pas une peur, on n'a pas peur des femmes. Et je ne suis pas d'accord, en fait. Je pense que ce n'est pas une peur des femmes, c'est une peur du féminin. Et en plus, j'avais envie de créer ce mot parce que j'en ai marre que les hommes soient associés au fait que ça pourrait être eux les bourreaux. Quand on regarde les excisions, ce sont les femmes qui font les excisions et qui les perpétuent. La plupart des hommes que je rencontre aujourd'hui sont des hommes qui ont envie que ça change parce que cette gynophobie, elle est aussi sur leurs épaules. J'avais envie que le mot « homme » soit différent du mot « gynophobe ». Et c'est intéressant pour ça parce que mon association s'appelle « Ensemble contre la gynophobie » parce que je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir si les hommes et les femmes ne sont pas ensemble dans cette volonté-là de sortir de cette peur-là. Alors après, j'ai analysé, c'est quoi cette peur qui nous rend si intranquilles? Parce qu'il s'agit bien d'une peur. Et en fait, c'est, comme souvent les peurs, c'est une peur de manquer. Souvent, je prends cet exemple pour montrer, je dis, l'écologie, c'est un peu le féminin de l'économie. Quand je parle du féminin du monde, je vais jusque-là, c'est-à-dire que le féminin, c'est vraiment une autre manière de voir les choses. D'ailleurs, c'est assez rigolo de voir que et Trump et Fillon et toute la nouvelle clique qui se propose de diriger les pays, un des premiers actes qu'ils décident de faire, c'est d'éventuellement réagir sur le droit à l'avortement, comme s'il n'y avait pas d'autres problèmes à régler dans le monde. C'est tellement énorme, en fait, de voir qu'ils s'en prennent au ventre des femmes que forcément... On se dit que ces peurs-là qui font monter ces extrémismes-là sont liées à la peur. Et la peur de manquer, alors quand c'est l'économie, ben on a peur de manquer de ressources, de pétrole, de matières premières, etc. Et donc on saccage la terre, on la viole, on l'exploite, on la tue. Si on regarde ce qui est fait aux femmes,
On a peur de manquer d'amour, et ça, c'est la version romantique. Souvent, aussi, on peut avoir peur de manquer de sexualité, de pas ne savoir, de pas savoir où mettre son désir, ou d'avoir peur de... Vraiment, c'est un manque d'amour, quelque part. Et c'est ça qui crée cette gynophobie. C'est-à-dire, par peur de manquer de lien, d'amour, on crée une violence incroyable. Et j'ai vraiment envie d'arrêter cette peur-là. Alors, je ne vais peut-être pas y arriver toute seule. Je pense que je suis aidée par beaucoup de bonne volonté. Il y a beaucoup d'hommes qui rejoignent ce mouvement-là, parce que justement, ils s'y retrouvent. C'est vrai qu'être féministe, ça demande une volonté que les hommes n'ont pas forcément. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne participe pas à la Gay Pride qu'on est homophobe. Et j'ai un peu l'impression que c'est la même chose avec le féminisme, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'est pas féministe qu'on en veut aux femmes. Et c'est pas mal de créer une barrière de sécurité avec ce mot de gynophobie. Ça permet de faire changer la honte de camp, et parce que on est trop habitué à penser aux femmes comme à des victimes, mais bizarrement on se tourne jamais vers ceux qui en font des victimes. Et le mot de gynophobie permet de se tourner vers ceux qui perpétuent ces violences-là. Donc voilà, souvent on parle aussi de vivre ensemble. Moi j'irais presque plus loin, parce qu'il y a quelque chose d'un peu embêtant dans le fait de vivre ensemble. Bon, alors on vit, pépère, là, on est tranquille. S'il y a de l'intranquillité, c'est que quelque part on n'a pas envie d'être tranquille, hein, sinon on serait tous tranquilles. Donc cette intranquillité, c'est quand même un choix de société. Et finalement, le vivre ensemble, il y a ce côté un peu pépère, il n'y aurait pas d'histoire. C'est-à-dire qu'il était une fois, forcément, on sait qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. La tranquillité n'appelle pas une suite à « il était une fois ». Et donc, j'ai ce sentiment que cette intranquillité-là, ce vivre ensemble, ça, on pourrait aller plus loin et pourquoi pas parler, sans forcément rentrer dans quelque chose de pornographique, mais du jouir ensemble, c'est-à-dire jouir de la vie, jouir de l'amour, jouir de la passion. C'est quelque chose, c'est une notion aussi que j'ai envie d'utiliser, parce qu'il y a ce côté d'être ensemble et il y a aussi ce côté de pouvoir danser ensemble. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce titre, Laissez-moi danser. C'est aussi pour ça que j'ai fait le film sur Dalida. À travers elle, je regarde tous les archétypes des hommes, et sa chanson phare qui nous est restée aujourd'hui, c'est Laissez-moi danser, qui est vraiment une belle ode à Laissez-moi vivre. Souvent, on voit que quand il y a des extrémismes, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on empêche la musique, la danse de s'exprimer. Tout ça, ce n'est pas des hasards. J'ai un problème, c'est que le compteur est bloqué, donc je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Alors, si je parle trop, vous me le dites, je ne sais pas. Je ne sais pas quel a été mon temps de parole. Alors, je peux continuer des heures, mais bon, ce n'est pas l'idée non plus. Hein. Tout le monde a des choses à faire. Et voilà, je voulais vous expliquer pourquoi je trouve ça important d'avoir créé un mot qui crée vraiment un cordon de sécurité entre la gynophobie et le reste, tout comme le racisme et l'antisémitisme et l'homophobie. Alors évidemment, ça n'empêche pas les actes antisémites, racistes et homophobes de se perpétuer et de continuer, mais au moins on sait où on est et on sait de quel côté de la barrière on se situe. Le fait qu'il n'y ait pas de mots, ça laisse quelque chose de très mou qui finalement continue à se perpétrer. Et enfin, je vais peut-être terminer par ça, j'étais à la COP22 il y a 15 jours, et il y avait toute une journée consacrée à femmes et climat. Et il y a Nicolas Hulot qui est venu et il m'a beaucoup touchée, parce qu'il a dit un peu ce que je ressens, c'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut comme loi sur la taxe carbone, sur manger moins de viande, sur comment faire pour trier nos déchets, nos poubelles, comment créer plus d'écologie. Il a dit tout ça, ça sert vraiment à rien. Aujourd'hui, en fait, c'est la mentalité qu'il faut changer. Et non seulement c'est la mentalité, mais en fait, il faut repenser au féminin. C'est-à-dire que les femmes, quand vous disiez, et ça m'a beaucoup, beaucoup touchée ce que vous avez dit, sur le fait que les femmes ne veulent pas disparaître et les femmes ne sont pas collectionneuses. En fait, les femmes,
ce qui les différencie beaucoup des hommes, c'est qu'elles portent la vie, qu'elles aient des enfants ou pas, mais en tout cas, il y a cette sensation-là. Et je crois que quand on porte la vie, on fait attention à la vie. Et je ne dis pas que les hommes ne font pas attention à la vie, mais en tout cas, c'est peut-être moins naturel ou moins ADN-ique que les femmes. En tout cas, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les femmes ne veulent pas forcément disparaître. Et Nicolas Hulot disait... C'est important de repenser le monde au féminin, c'est-à-dire avec une envie de plus de partage, de plus d'amour, parce qu'il n'y a que l'amour qui peut vraiment lutter contre la peur. Et vraiment, ce féminin du monde qui a été saccagé et souillé au même titre que la planète, il disait qu'il n'y a aucune différence, vraiment, entre ce qui a été fait à la planète et ce qui est fait au féminin. Parce que la planète, c'est le féminin du monde. La Terre, on l'a souvent appelée la Terre-Mère, et je pense que ce sont deux combats qui sont non seulement liés, mais qui viennent exactement de la même graine dans le cerveau. Et voilà, je voulais terminer par ça. Merci.